Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 17 de notre incroyable aventure sur Star Wars, évidemment, Jedi Survivor, toujours en 4K 60 FPS. N'oubliez pas d'avance le petit j'aime et le petit commentaire, ça fait extrêmement plaisir. Nous avons juste en haut quelque chose de sympa qui mène où d'ailleurs? Qui mène là-haut. Et nous avons à droite aussi quelque chose de sympa, à savoir que nous venons juste de là. Allez, c'est parti. Oh, attendez. Me suis-je égaré? On ne peut pas monter, c'est ça? Alors, attendez. Oh non, non, c'est couillu, c'est ballsy. C'est ballsy, écoutez, j'ai essayé quelque chose. Attendez, attendez, sur un malentendu. Oh oui, 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 oui. Je dis oui. Ok, on va aller là, je sais pas du tout où ça mène. En tout cas, vu qu'il fallait faire un petit truc très sympa pour y aller. Attention, on va pas se brûler la main. Ok, on est parti. On va aller directement de l'autre côté. Et de l'autre côté. Ok, superbe. Voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Ok. Là, je ne comprends pas. C'est là? Est-ce qu'il faut que je me laisse tomber là? Mais non, ça n'aurait pas de sens. Ok. Bah merde alors. Qu'est-ce que je fais là? Alors là, excusez-moi, mais le doute... ma bite. Je suis venu là pour rien? Alors là, attendez, mais je saisis pas. Je suis vraiment venu là pour rien? Il y a moyen, hein. Il y a moyen, j'avoue que pendant quelques jours, vous l'entendez peut-être à ma voix, mais j'ai perdu ma voix, hein, rien de grave. Ça, c'est à cause de Twitch, voilà, tous les soirs, jusque très tard, en plus sur GTRP. J'en ai carrément perdu ma voix. Et donc, je vous avoue avoir été un petit peu perturbé, mais j'ai pas l'impression d'avoir loupé quoi que ce soit. C'est très bizarre, écoutez. C'est pas grave, on va aller par ici, et on verra ce qui s'y cache. Oh putain, j'ai trop peur. Ok, on a des robots. On peut aller là. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, je ne comprends pas. D'accord. Merde, je suis un fou. Ouais, je suis un gueudin, moi. Quoi? Il y a forcément quelque chose, non? Yes, let's go! Ok, c'était donc juste là. Oh là là, petit coup de blast. Oh, oh, c'est une belle crosse. C'est une belle crosse à la ricrosse. Allez, superbe ça. Ok, on a une très belle crosse. On a un mec ici. Je suis ingénieur. Je suis ingénieur. Ok, ça a l'air pas mal. Ok, il m'a bien cassé la gueule. Allez, ça dégage. Oh! C'était trop stylé. Ok, on a quelque chose ici. Qu'est-ce qu'on a là d'ailleurs? Ok. Une pièce de rien. Une pièce de rien, une pièce de vide, une pièce de rien, une pièce de toi, une pièce de moi. Rien d'intéressant donc par ici. Très bien, qu'est-ce qu'on a là? Pas grand-chose non plus à part un couloir. La gloire, c'est un autre. Allez, dégage. Dégage, je vais plus te voir. Tu es hors de ma vue. On a quelque chose ici. Un coffre. Ah, un coffre déjà ouvert. Ah oui! Ok, 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 ok. Bon. S'il y a un coffre déjà ouvert, c'est normal. J'avais oublié que dans le précédent épisode, j'avais enregistré 5 ou 10 minutes et j'étais mort. J'avais plus du tout de vie. Et ça m'avait fait repop super loin. C'était assez terrible. Donc c'était un raccourci qui était déverrouillé là. Donc très bien, à la limite, je vais être honnête avec vous, ça m'arrange. J'avais joué 5 minutes, en fait ça poussait l'épisode à au moins
41 minutes, quelque chose comme ça. Et c'était beaucoup trop, tout ça pour revenir sur le point de départ et refaire tout ce qu'on est en train de faire actuellement. Je me suis dit, bon, autant se garder la surprise plutôt qu'avoir un écho des 10 minutes déjà jouées. Oh, salut. Où se trouve le laboratoire ? Accès au laboratoire interdit. Le laboratoire est inaccessible. Ça va aller. Trouve un endroit où te cacher. Je n'y ai pas accès. J'ai essayé de leur dire. S'il vous plaît, laissez-moi. Les pillards ont vraiment traumatisé ces droïdes. Ok. Qu'est-ce qu'on a là ? La grande porte. Ok. Alors, c'était par où ? Waouh, j'ai failli mourir. Non, attends, on peut... Ah, c'est le raccourci. C'est super, en fait, il y avait des raccourcis, trop bien. Je vais vous dire hein, où c'est que j'étais mort en boucle. C'était ici. Voilà, vous allez voir. Bon, attention. Attendez, je suis en train d'essayer un truc. Non, bon, en fait, ça n'a rien à faire ici. C'était pas ici exactement que j'étais mort en boucle. Hein. Vous allez voir, je vais vous le dire. Il y a un passage très, très chiant, très pénible. Et là, on va essayer évidemment de le passer sans aucun problème. Salut, toi. Salutations. Oh là. Est-ce que ça va ? À votre avis, personne n'a pris la peine de me parler depuis de nombreux cycles. Quelle donnée intrigante. Je peux vous aider. Il y a quelque chose de grande valeur au fond de ce complexe. Merci. On va voir ce qu'on peut trouver. Il faut déverrouiller ça. Ok. Ça, ok. Oh là là. Les gars, on a pop ici au début d'épisode et j'avais jamais déverrouillé ça. Parce que j'étais mort encore après, hein. Oh, je suis un boubours. Oh là là, c'est terrible, j'ai honte. Là, si on vient de le déverrouiller et que c'était pas déjà déverrouillé, c'est que je l'avais pas déjà déverrouillé, hein. Putain. Oh là 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 là. Allez, c'est parti, on se repose. Comme ça, au moins partie sauvegardée, c'est honteux, je suis désolé. Ah, oh, je suis désolé. Ok, je vais vous dire... J'étais mort à ce passage-là, exactement, les fameuses plateformes, vous allez voir, c'est littéralement un enfer. Alors, bon, c'est un enfer, mais en fait, j'avais peu de vie parce que j'avais fait une sorte de mini-boss. Mais vous voyez, là, on a fait 5 minutes de jeu, bah pour rien, parce que j'avais même pas déverrouillé le raccourci. Waouh. Donc, imaginez, vous avez vu, c'est l'enfer. Hein. Hop, ok. Superbe. Oh non mais les gars, ça c'était gratuit. Ok. Attendez, c'est pas fini hein. C'est pas fini, vous allez voir que c'est très vite l'enfer. Ok. Bah go. Très bien ça. Est-ce que ça vaut le coup d'aller au fond? Est-ce que ça vaut le coup d'aller au fond? Voilà, c'est là où j'étais mort en boucle. Bon, pour ma défense, il me restait très peu de vie. Hein, attention. En fait, quand vous avez très peu de vie et plus de stamina et que vous mourrez, et ben forcément, c'est très difficile. Donc, c'était ce passage-là, vous l'aurez compris. C'est donc un passage très, très chiant. Ok. Let's go. C'est un passage très très chiant. Pourquoi je me suis pas arrêté juste en bas? Ok, bah voilà, regardez. Regardez, regardez. Boum, c'est là où j'étais mort. Voilà, comme quoi je ne vous ai rien caché. Et vu que j'avais repop loin, là où on a commencé l'épisode, je me suis dit, mais attendez, on va pas... Je préfère autant le refaire en live, quoi, plutôt que faire un épisode précédent qui dure 40 minutes. Donc voilà, typiquement 10 minutes. Je ne suis pas un menteur. Et encore, on n'a pas foiré. On n'a pas foiré. Une autre base pour les pillards du chaos. Rien ne peut nous arrêter. Les autres droïdes ici sont de vrais nigauds. Ils font tout ce qu'on leur dit. Ce n'est pas moi qu'on verra obéir aux ordres comme ça. Ah non, pas moi. Enfin... Et ben voilà. Ok, let's go. Qui a programmé ces tas de ferrailles pour qu'ils soient aussi bavards? Un petit écho. Quoi? Ok, non, bah pas d'écho. Ok, my bad.
Je pensais qu'il y allait avoir une petite histoire, quelque chose. Apparemment, non. Allez, active-moi ça. Je sais pas du tout où ça mène. Oh, ok, on a un mur de force. C'est un raccourci débloqué. Attendez. Attendez. Ah oui, ça serait débile de ne pas fouiller ici. Très bien. On va montrer ça à Z. Ok, des disques de données. Non mais ça ralasse de fou ça. Non mais c'est pas possible. Jolie trouvaille. On montrera ça à Z. Trois disques de données là. Incroyable. Y'a quoi en bas? Y'a rien. Ok, allez, on est reparti. En arrière. Let's go. Cible repérée. Hein? Oh tiens, le Jedi. Tu devrais pas être ici. Non, non, tromperais. J'ai rien contre un bon combat, mais Revis sera pas content si t'approches encore. Décampe d'ici, Jedi. Ok, je vais leur casser la gueule. L'un ne change pas l'autre, ne vous inquiétez pas. T'en as dans le ventre, faut bien le reconnaître. Mais j'ai des ordres, alors dégage de là. Ok. Nouvelle piste musicale, mais what the fuck? Putain, on les entend parler d'ici, les droïdes bien, ça me fume. Ok. Ah! Bien sûr. Oh non, j'avais envie de les tuer. J'avais envie de les tuer. Attendez, il y a un truc en bas. Je ne sais pas. Ça valait peut-être pas le coup non plus, hein. Ok, on verra plus tard. Ça, c'est beau, ça. Assurez-vous que la zone est bouclée. La même cette vermine Jedi. La cible est un lâche. Tout à fait. On devrait faire passer les coups. Ah ouais, je suis un lâche, moi. Moi, je suis un lâche, moi. Quelque chose d'important. Il s'est auto-fumé le man, hein. What the fuck? Oh putain. Oh les chiens. Ok. Et là ça va désactiver le mur peut-être, non? Je ne sais pas. Pas du tout. Pas du tout. C'est un raccourci, salut toi. Ouais, j'ai compris. Ils n'ont pas le droit. Ça va? Ils ne sont pas autorisés à entrer. Je suis pas fan du délire. Le blaster, ça rajoute une sacrée mécanique, mais je suis pas très fan. Il est pas discret. Ok. Il est pas discret. Très bien, là on a rien. Ok, allez, on est reparti. J'ai fait une bêtise, les amis. J'ai fait une bêtise de ouf. J'ai fait une bêtise de ouf et je peux pas retourner en arrière. J'ai loupé un endroit spécial qui offre un pouvoir. Je viens de m'en souvenir. Oh là là. Ok.
Cool. On va rapporter ce disque de données à Zed. Oh non. Wouah, j'ai chaud. Aide-moi. Ok, ok, ok. Oh, on pouvait pas retourner en arrière. Ils ne veulent pas qu'on y arrive. Je retiens ma respiration parce que j'avoue que cette méthode de se battre nécessite... Ce qui s'est passé ici a détruit cette lune. D'être quand même au taquet. Ça nécessite pas mal de... Oh, concentration. Ok. Ok. Wow, wow, wow. Ok. Très bien. Oh non, quel connard. Bah ouais, mais quel abruti. Putain, il s'est lui-même... Il est au bon moment. Wow, 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 wow. Ok. Très bien. Bon, pour l'instant, tout se passe plutôt pas trop mal. Et j'oublie mon pouvoir de perception sur les droïdes. Ça, c'est quelque chose que j'oublie très fort. Ah, mais non, c'est un droïde. Au contraire, on peut pas. Con ou quoi? Ok. Oh la vache. Qu'est-ce que j'ai dit? Mais qui est con? Mais qui est con? Mes frères! Bah voilà, c'est dans ce genre de truc qu'on meurt pour de la merde. C'est pas vrai, hein. Ok. Merde, je vais péter. Je vais péter un câble, les amis. C'est... En fait, ça fait tomber pile poil au milieu. Bah alors hein. Ok. Ok. Vas-y. Mais abruti! Mais c'est pas possible. Il y a un problème. Ils veulent vraiment pas qu'on rentre. Non mais c'était un truc de cinglé. C'était un truc de zinzin. Je mets le joystick dans la bonne direction, frère. Quoi? Y'a quoi là? Scanne-moi tout ça. C'est trop lourd. Je pense pas pouvoir faire bouger ça. Ok, y'a un raccourci de fou ici. À l'avenir. Bon, on a toujours pas le pouvoir pour faire bouger les très gros trucs. Et ça c'est assez terrible. On va continuer un peu avec le blaster, on pourra pas dire qu'on n'a pas joué avec.
Allez, le canal du site, évidemment. Un classique. Ok. Là, on a quoi? Bah là, on a rien. Très bien. Ça a le mérite d'être clair. Très bien. Et ben dis donc les amis, sacré chemin pour enquêter sur l'autre con, si je puis me permettre, excusez-moi cette expression, mais enfin quand même. J'espère que la cinématique sera stylée et que le boss pas trop chiant. Ok. Alors attention, c'est pas un raccourci que j'ai débloqué là? Si, c'est un raccourci, on est bien d'accord. Ouais. Pauvre droïde, abandonné ici pendant des siècles, jusqu'à ce que les pillards les trouvent. Ok. D'y avoir grand chose ici. Et ici c'est ok aussi. Ouah, c'est une belle salle ça, hein. On dirait une arène, hein. Ah ouais. Ouais ouais ouais. Il faudra montrer ça à Gant. Un mystérieux appareil de la Haute République. Oui, quelque chose d'intéressant. Et te voilà. Nickel. Adieu. J'ai entendu le bien pire que ça. Tu as peur. Maintenant, c'est sérieux. Ah ouais, mais j'ai le pouvoir de la force, frérot. Ah, ok, il est comme moi, il tire aussi. C'est embêtant. Ok. Oh, il a un petit garde-main de laser. Oui, il est mort. Ça a le mérite d'être clair, il est mort. Personnalisé. On peut peut-être le réparer. Posture de garde obtenue, qu'elle peut désormais utiliser la posture de garde en combat. La posture de garde permet des attaques plus lentes et plus puissantes et accroît l'endurance pour la défense. Waouh, c'est trop bien. Ok. On va ressentir l'écho. J'y vais. Je suis clairement le meilleur pilote pour cette mission. Tous les vaisseaux envoyés dans l'abysse sont disparus sans laisser de traces. Nous irons ensemble. Je ne te laisserai pas prendre ce risque seul. C'est ton invention, personne d'autre ne la comprend. Tu es la seule qui puisse me guider. Ok. Ah ouais, mais il est plus long en plus, non? Je suis fou. Incroyable.
Incroyable, les amis. Il y a trop de choses. Bon, déjà se reposer. Ensuite, compétences. Il y a beaucoup, beaucoup trop de choses. Et là, je suppose qu'on va déverrouiller un truc au sabre. Hein. Blaster, ouais, voilà, c'était... Waouh. Fonce vers le sol et produit une onde de choc. Réduit le temps de chargement de l'attaque concentrée. Ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal, mais je suis obligé d'avoir ça. Ok. Oh la vache. C'est trop bien. Et là, c'est encore plus rapide. Ok. Putain, si ça, c'est plus rapide, on est dans la sauce. Très bien. Bah écoutez, on va devoir s'entraîner sur le man. Je suis prêt. Yo, mon pote. Bien tenté. Oh la vache. Ok. Ah oui, ça utilise ma force en fait. Ah ouais, ça utilise la force de fou en fait, ok. Oh waouh. Ok. Je ne perdrai pas contre toi. Tu peux m'aider ? Je ne lâcherai pas. Oh non, mais c'est un prince garde fou, les gars. Il est monstrueux, ce sabre. Putain, là, je... Je sais pas quoi prendre, hein. Vitesse chaotique, mais portée et défense. Oh, c'est très bien. Waouh. Bah on va prendre ces deux opposés là. Hein. C'est trop. J'ai besoin d'aide. C'est trop bien. Ok, superbe. Sacré raccourci. On va reméditer alors. Ah bah non, ils vont repop. Je dois vider mon esprit. Non, ok. Attends, ça je l'ai ou pas là? Je l'ai, on est d'accord. Hein. Ouais, voilà. J'y vais. Je suis clairement le meilleur pilote pour cette mission. Ouais, ok. Ok, ça c'est fait. Qu'est-ce qu'on a là? Tiens. Qu'est-ce qu'on a là? Active-moi ça, bibiche. À faire là. Et ben on est de retour à zéro. Ok, d'accord. C'était donc le raccourci. Bon. Maître Cordova a dit que Dagan avait une base sur Kobo. Allons la trouver. Quoi qu'il ait utilisé pour traverser l'abysse, on le trouvera peut-être ici. Ok. Est-ce que je fais ici ce que j'ai oublié ou pas? Non, allez, vas-y, les amis, on trace parce que sinon on va jamais s'en sortir malheureusement. Ça va être extrêmement long. Donc, on va save ici dans le vaisseau. Et je reviendrai en vrai en soon entre deux épisodes. Ça me paraît pas trop mal, évidemment. Allez, petite save. Et on est reparti, les amis. Pour la suite, c'est-à-dire cette fois-ci, là, on était sur le satellite. Et on va aller direction la planète. On retourne sur la planète. Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Eh ben, on va à Kobo. On a exploré que 36% de Kobo. Je voulais voir comment s'en sort ce vieux monk. Allez, on est reparti sur Kobo. Tu as un œil sur la vieille tech que Cal a trouvée dans le labo? J'ai absolument rien compris. Peut-être qu'on comprendra mieux quand on sera allé voir le repère de Dagan sur Kobo. Les gens vont sur Kobo quand leur vie est foutue. Ils y vont pas pour la réparer. Et toi, Grise? Si tu sous-entends que j'étais un latéraux foutu à mon arrivée sur Kobo, tu te trompes. J'avais simplement besoin de faire une petite pause loin de vous.
Ok. On approche de notre destination. Allez, c'est parti. Let's go les amis, direction Kobo. Et on va s'arrêter là, n'oubliez pas de j'aime et le commentaire. À la prochaine pour la suite de notre aventure. Et bisous tout le monde, portez-vous bien. Bye bye.